Bien, alors merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait à peu près 5 ans que je n'ai pas donné de conférence grand public. Je l'avais fait avec à la FAPAM aussi, avec les parents partenaires. Donc là, je me disais que c'était le temps de peut-être reprendre du service, de reprendre un peu contact avec les gens. Donc aujourd'hui, je vais présenter sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Je vais faire vraiment un tour d'horizon parce que chaque diapo pourrait faire l'objet d'une présentation de plusieurs heures, en fait, parce qu'on peut aller vraiment dans le détail. Donc, je vais commencer tout de suite par les mythes et les réalités. Si vous avez lu un peu le résumé, ce dont je voulais aborder, c'est un peu d'éclaircir ce syndrome-là. Qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Mais aussi les mythes et réalités qui sont véhiculés parfois dans les médias, parfois chez les gens, dans la population en général, qui n'a pas été en contact avec ces gens-là. Donc, le premier, ça c'est une colle, en fait, je vous le dis tout de suite. Gilles de la Tourette, Georges Gilles de la Tourette est le découvreur du syndrome qui porte son nom. Donc, je ne vous demande pas de répondre tout de suite, mais on va, durant la présentation, vous allez voir les réponses à ça. Le syndrome est transmis génétiquement, très rare. Les personnes aux prises avec le syndrome de Gilles de la Tourette pourront faire toujours des insultes, des mots et des gestes obscènes, sont impulsifs. Et ils ont des symptômes variables et fluctuants d'un individu à l'autre et au fil du temps. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est des symptômes qui peuvent soit complètement disparaître et revenir comme ça chez une personne, et chaque personne aurait des symptômes très différents. Ont la capacité de supprimer leur tic pendant quelques minutes ou quelques heures dans certaines conditions. Donc, on va essayer de passer un peu tout ça. Le plan de la soirée, ça va être. Moi, j'aime toujours commencer un peu avec un historique. Où est-ce que ça remonte exactement? Aussi, j'aime beaucoup aborder les classifications. On va aborder les nouvelles classifications qui ont commencé cette année, qui n'ont pas changé grand-chose, mais on va parler du DSM-5 un tout petit peu. On va parler des critères relié à ça, aussi la prévalence, les évolutions et les développements là-dedans. On va parler un peu des causes neurobiologiques, psychologiques, comportementales, un peu, et les traitements courants et les traitements qui sont expérimentaux. Ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années, parce qu'il y a eu beaucoup de développements dans les dernières années, et il va y en avoir aussi dans les années à venir. Donc, on va commencer par un petit peu d'histoire. On n'a pas vraiment de source, de racine à quand exactement ça remonte. Le premier ou la première personne qu'on a vue qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette, mais on a quelques écrits qui remontent au Malleus Maleficarum, qui était un peu une espèce de livres, de handbook pour ou de prescriptions de comment traiter les gens qui n'étaient pas comme tous les autres. En fait, dans ce temps-là, on disait qu'ils étaient possédés du démon, possédés par autre chose. On peut le traduire par The Witch Hammer. Ça, c'était au Moyen Âge. Et là, on a pour la première fois répertorié dans l'édition qu'on appelle l'édition de Cologne, qui mentionne l'exécution d'un religieux, en fait, qui proférait des insultes, qui avait des gestes, qui semblait être possédé par le démon, en fait. C'était ça qu'il pensait à l'époque. Et on croit que c'est probablement le plus ancien cas répertorié de syndrome de Gilles de la Tourette. Ce n'était pas encore nommé comme ça, bien effectivement. Donc, le premier qui a parlé ou qui a décrit ce qui ressemblait le plus à quelqu'un qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, c'était Jean-Marc Itard. Donc, vous avez la réponse à la première question que je posais. Est-ce que c'est
Gilles de la Tourette, non, c'est vraiment Jean-Marc Itard qui était le premier à décrire systématiquement ces cas-là. Lui, c'était un médecin spécialisé à l'Institution des sourds et muets de Paris. Donc, c'était vraiment ça, sa spécialisation, mais il a quand même fait beaucoup de choses en plus. Il a travaillé en 1825, il a rencontré un cas, donc son premier cas, c'était la marquise de Dampierre, qui a vécu à peu près toute sa vie dans son château, en fait, qui n'est pas vraiment sorti, mais qui était un peu disons, une source de curiosité pour les gens qui la voyaient gesticuler, qui la voyaient... bon, Itard, il a décrit ça, ces symptômes-là de la marquise, qui était marqué beaucoup par de l'écholalie, de la coprolalie. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est. Il a aussi vu que c'était quelque chose qu'elle avait développé à partir de l'âge de 7 ans. Et ça a duré ça jusqu'à sa mort à 85 ans. Un deuxième médecin qui a travaillé sur ça, qui a été un peu plus systématique dans la description des tics, c'est Armand Trousseau. Lui, c'est un petit peu plus tard, c'est en 1867. Lui, il a décrit très bien les contractions musculaires qu'il voyait chez ces patients-là. Il fallait les décrire de façon un petit peu plus précise. C'était des contractions musculaires instantanées et rapides, involontaires, limitées à un petit nombre de muscles. Ça peut être à partir de la face, du cou, du tronc ou des membres. Et il y a aussi clignotement des yeux ou clignotement des paupières, hochement de tête, contorsion brusque et soulèvement d'épaule. Donc, il a noté tout ça. Et un dernier point important, c'est le premier à souligner qu'il pourrait y avoir un aspect héréditaire à ça. Donc, les patients qu'il voyait, ils voyaient qu'il pouvait y avoir un oncle, une tante, soit le père ou la mère était aussi atteint des mêmes types. Puis, c'est lui le premier qui a posé comme hypothèse que ça pourrait être peut-être héréditaire. Donc ici, j'amène cette fresque ici. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu avant. C'est une fresque qui a été peinte à la Salpêtrière à Paris. C'était un hôpital très reconnu. Au 19e siècle, c'était un peu le ground zero, si on veut, de la neurologie. Et on se retrouve ici avec un chercheur au milieu, celui qui a la tête blanche ici, c'est Charcot, Jean-Martin Charcot, en fait. Et en avant ici, c'était un peu son disciple, c'est Gilles de la Tourette. Et derrière, juste en arrière, c'est Babinski. C'est ceux qui sont médecins ou cliniciens connaissent bien les fameux réflexes plantaires de Babinski. Et il y avait beaucoup d'autres chercheurs et médecins fameux qui venaient participer aux leçons du mardi matin ici. Il y en a un qui n'est pas dépeint là-dedans, il s'appelle Freud. Freud était un disciple aussi de Charcot, un grand admirateur de Charcot. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque-là, ils expérimentaient beaucoup autour de l'hypnose, entre autres pour moduler l'hystérie, pour traiter l'hystérie. Charcot, c'était vraiment un des initiateurs de ça à l'époque. Charcot est considéré à la fois comme le père de la neurologie, le père de la neuropsychologie et le père de la psychiatrie aussi. Dans les différents congrès où on va, j'ai souvent entendu chacun se réclamer qu'ils étaient un peu le fils de... ou le petit-fils de Charcot. Donc, je mentionne ça parce que Tourette, qui était très, très admiratif aussi de Charcot, n'a pas travaillé beaucoup sur les tics. Ce n'était pas ça l'essentiel de son travail. Il a surtout travaillé sur l'hypnose, sur l'hystérie, puis il a publié des livres sur ça. On va le voir sur la prochaine diapo. Donc, on arrive à
Gilles de la Tourette, donc c'est Georges Albert Brutus Édouard Gilles de la Tourette, mais Gilles de la Tourette, c'est son nom de famille, il ne s'appelait pas Gilles comme prénom, c'était Georges. Et comme je le disais plus tôt, il a publié des livres, dont un sur l'hypnotisme et un autre sur les états neurasthéniques. Il a quand même travaillé et il a été très systématique au niveau de la description d'éthique. C'est que en 1885, Charcot lui a proposé d'étudier des cas atteints de ce qu'on appelait l'éthique compulsive et de les décrire vraiment systématiquement d'une façon assez précise. Donc, lui, il a pris 9 de ces patients-là, et dont la marquise de Dampierre, qui l'a vu à un âge beaucoup plus avancé, on parle de 60 ans plus tard, après Itard. Donc Charcot, c'est lui qui l'a référé à Tourette. Et il l'a vu plusieurs fois, donc Charcot l'a vu plusieurs fois, et Tourette l'a mis comme son cas, si on veut, numéro 1. Et il en a décrit 8 autres. En 1890, un des élèves de Tourette, qui s'appelait Catroux, a consacré une thèse qui se basait sur 26 autres observations inédites qui étaient communiquées par Tourette. Donc, c'est là où toute la définition qu'on a aujourd'hui d'éthique dans l'actuel DSM-5, c'est à peu près les mêmes critères, en fait, qui ont été décrits au 19e siècle. Ça n'a pas beaucoup changé depuis ce temps-là. Donc, c'était déjà assez, donc, suffisamment précis, probablement. Je suis allé lire un peu ces écrits, puis c'était un peu comme si ça n'a pas beaucoup changé. On aurait pu prendre ces écrits puis les apporter maintenant, et on aurait encore à peu près le même problème ou la même chose. Donc, lui, ce qu'il disait, j'ai retenu un petit paragraphe, lui, ce qu'il disait, c'est « Si je me suis autant attaché à la symptomatologie et à l'évolution de la maladie des tics convulsifs, c'est que cela m'a paru indispensable dans l'intérêt du diagnostic qui souvent mérite d'être précisé. » Donc, ça mérite d'être précisé, c'est encore vrai aujourd'hui. Il vous semblera peut-être que cette précaution soit inutile, étant donné la physionomie très nette de l'affection. Détrompez-vous, bien que 15 ans déjà nous séparent du jour où j'ai isolé ce syndrome morbide, la réalité n'est pas moins que l'affection est encore trop souvent méconnue. Donc, c'est encore vrai aujourd'hui. Ça reste encore relativement méconnu comme syndrome. Et ce n'est pas parce que c'est rare. Je vais vendre la mèche. C'est beaucoup moins rare que ce qu'on pensait. Ensuite, il y a eu comme un... Après Tourette, on n'en a pas beaucoup reparlé durant le 20e siècle. En fait, si ce n'est que durant les années 20, il y a eu une épidémie d'encéphalite qui s'est déroulée entre 1915 et 1926. Et ce qu'on a observé, c'est ceux qui réussissaient à se rétablir de ces encéphalites-là développaient des tics, en fait, qui ressemblaient beaucoup aux tics décrits par Tourette. Donc, ça entraînait une épidémie de troubles de mouvement, de tics. On a appelé un syndrome qu'on appelle la clazomanie, qui vient du grec clazo, hurler. C'était des patients qui avaient des tics, mais qui étaient très vocales. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, ce type d'affection-là, c'est un critère d'exclusion pour le diagnostic. Quelqu'un qui aurait eu une encéphalite, qui a développé des tics, on va pas faire un diagnostic du syndrome de Gilles de la Tourette. Il faut se transporter jusqu'au milieu du 20e siècle, en 1961, pour voir un développement majeur dans le traitement du syndrome de la Tourette. Parce que jusqu'à cette date-là, il n'y avait pas vraiment de traitement, pas de traitement médicamenteux. Donc, c'est Seignot, un autre Français, Seignot, en 1961, qui parlait, qui était très, très optimiste, lui, dans son article. Il disait que c'est la guérison avec le R1625, ça c'est le nom de l'aldol à l'époque.
parce que c'était encore sur la mise en marché, c'était très expérimental. Et ça a été repris 4 ans plus tard par un Américain. À partir de là, c'est les Américains qui ont pris le contrôle de toute la recherche, si on veut, ou presque, que toute, pour développer, pour faire des essais cliniques avec différents médicaments, des neuroleptiques, entre 1965 et 1980. Mais on pourra y revenir pour les médicaments un petit peu plus loin. Ensuite, on se transporte 30 ans plus tard, dans la décennie 90. On a appelé ça « The Decade of the Brain ». C'est le président des États-Unis qui avait décrété que ça allait être la décennie 90, qu'elle allait être la décennie du cerveau, et qu'on allait faire de la recherche et investir massivement dans ce type de recherche-là. Ce n'est pas dans la décennie 90 qu'on a vu les résultats, c'est dans la décennie 2000 qu'on a vu vraiment les résultats de ça. Et on a eu toutes sortes de développements avec l'imagerie cérébrale qui était plus abordable. On a repris des mesures électroencéphalographiques, toutes sortes d'autres mesures aussi pour mettre à jour, puis pour aller chercher ce qui ne fonctionnait pas. On a ici on a une reproduction là, d'une résonance magnétique avec les points qui pointent ici. C'est les points ça, qui sont utilisés, par exemple, dans la stimulation cérébrale. Donc, on est rendu qu'on peut stimuler certains points. Et puis, je pourrais y revenir un petit peu plus tard d'une façon beaucoup plus précise. Mais on peut stimuler certains points dans les cas de Tourette très graves. Et on est capable de vraiment diminuer la fréquence des tics. Donc, on commence à aller stimuler certains points et on commence vraiment à comprendre quels sont les endroits qui sont affectés. En plus, avec l'électrophysiologie couplée à ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin aussi. Donc, ça, c'est la décennie 90 et on peut voir ici toute une progression des publications entre 1990, à peu près où la recherche en imagerie cérébrale commençait à beaucoup se développer, et 20 ans plus tard. Donc, on peut voir une augmentation vraiment des recherches en imagerie cérébrale dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Là, on est rendu à près d'une centaine de publications qui sortent sur ça. Donc, on va passer maintenant... Maintenant qu'on a fini avec la partie historique, on va passer aux définitions, aux classifications et quels sont les critères pour dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a un syndrome de Gilles de la Tourette. On a maintenant, depuis mai 2013, la classification DSM-5. On a un peu réaménagé les choses, mais on reste grosso modo avec les mêmes critères. Donc, maintenant, au lieu de le classifier dans les troubles premièrement diagnostiqués à l'enfance, on va appeler ça troubles neurodéveloppementaux. Et là-dedans, il y a une sous-catégorie qui est troubles moteurs. Et il y a d'autres sous-catégories, problèmes de coordination, mouvements stéréotypiques, et on arrive au désordre tic. Donc, là-dedans, on a 5 principales sous-classifications. Je vais surtout parler du Tourette Disorder ou le syndrome de Gilles de la Tourette et les tics chroniques, moteurs ou vocaux. Donc, on va essayer de faire un peu la part, quelle est la différence un peu entre les deux. Les critères diagnostiques du DSM-5 sont les suivants. Donc, on parle de présence de tics moteurs et vocaux à un moment quelconque au cours de l'évolution de la maladie. Donc, ça n'a pas besoin d'être exactement ensemble, mais il faut qu'il y ait eu des tics à un moment quelconque au moment de l'évolution. Les tics peuvent fluctuer en fréquence, mais ils ont persisté pour une période de plus d'une année. Donc, il faut que ça ait duré plus longtemps qu'une année. Début avant l'âge de 18 ans. Donc, il faut que ça ait commencé avant 18 ans, sinon c'est dans les troubles de tics non spécifiés. Les tics ne sont pas attribuables aux effets physiologiques d'une substance ou une autre condition médicale.
Et altération du significative du fonctionnement, ça a été retiré en 2000. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui ont des tics, qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, pouvaient quand même fonctionner. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir cette altération du fonctionnement. Donc, c'est retiré depuis 2000. La prévalence. Avant les années 60, c'était considéré comme très rare. On avait moins de 100 cas de répertoriés. Donc, c'était plus rare, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. C'est juste qu'on ne les identifiait pas, on ne les diagnostiquait pas. Maintenant, on parle plus de 1 sur 100, 1% de la population à 1 pour 1000. Il y a des tics qui peuvent, selon les études, là, qui peuvent varier en 10 à 25% des enfants d'âge scolaire. Mais c'est des tics qui finissent par disparaître. Ça peut sembler beaucoup, 10 à 25%, mais c'est des tics qui sont plus de type transitoire, donc qui ne restent pas pour une période très longue. Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans qui fait que maintenant, on en identifie plus? Bien, premièrement, on est beaucoup plus sensibilisé à ce problème-là, je crois. Ce n'est pas encore, complet, mais quand même. L'évaluation et le diagnostic sont quand même beaucoup plus systématiques qu'avant. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas énormément de spécialistes à chaque coin de rue qui peut diagnostiquer ce syndrome-là d'une façon vraiment sensible et systématique. Donc, c'est un peu la contrepartie. Et un point important, c'est que ça touche les garçons plus que les filles. Donc, il y a 4 garçons pour une fille. C'est relativement stable, là. Il n'y a pas de changement selon les études que j'ai vues. L'évolution des tics est la suivante. Les tics moteurs vont survenir typiquement entre l'âge de 3 et 8 ans, avec une période transitoire. Ça va commencer par des clignements d'yeux intenses, contractions faciales aussi. Ensuite, ça peut se déplacer vers le bas du corps, vers les membres inférieurs. Et on le voit ici dans la courbe, à partir de 5 ans jusqu'à 11 ans. À 11-12 ans, c'est là qu'il est normalement le pic de l'intensité de la fréquence des symptômes. Ensuite, durant le développement à l'adolescence, on va avoir cette diminution croissante ici. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a une disparition complète. Ça ne veut pas dire que même si on ne fait rien, ça va disparaître tout seul. Ce qu'on croit de plus en plus, c'est que les adultes, avec le développement cérébral et tout ça, vont développer des stratégies d'inhibition qui vont être capables d'inhiber leur tic d'une façon plus efficace, mais ça ne veut pas dire que c'est parti complètement. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi. La comorbidité et l'évolution. Qu'est-ce qu'on veut dire par comorbidité? C'est quand il y a un autre problème qui se surajoute au syndrome de Gilles de la Tourette. Puis, quand on travaille avec des gens qui sont prises avec ça, c'est presque la règle, en fait, de voir qu'il n'y a pas juste le syndrome de Gilles de la Tourette, il n'y a pas seulement les tics, qui est déjà beaucoup, mais il y a encore beaucoup d'autres problèmes. Un des problèmes principaux, c'est le TDAH ou l'hyperactivité chez les enfants. Et c'est souvent la porte d'entrée, c'est-à-dire que le parent va se présenter à la clinique avec un enfant qui est hyperactif et plus tard, ils vont se rendre compte qu'il va développer des tics. Donc, ça suit un peu cette séquence-là. Avant l'âge de 5, 6, 7 ans, tu as le trouble hyperactif. Ensuite, tu as les tics, comme j'ai dit tantôt, qui montent jusqu'à 10 ou 11 ans. Et plus tard, il y a un autre problème qui peut se surajouter. Donc, les tics vont diminuer. Le trouble hyperactif reste, surtout les troubles d'inattention. Et le TOC va se développer au cours de l'adolescence. Et parfois, vous pouvez avoir une superposition des trois problèmes. Donc,
hyperactivité, trouble obsessif compulsif et syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, vous pouvez avoir une combinaison des trois aussi. Donc, il y a aussi d'autres problèmes. Donc, j'ai parlé tantôt de l'hyperactivité où il y avait le déficit attentionnel. On peut le voir selon les études, là, ça peut se voir entre 21 et jusqu'à 90 % selon les études des enfants Tourette qui ont des déficits attentionnels. Ça peut aller jusqu'à 70 % pour l'hyperactivité. Il y a aussi entre 8 et 35 % des épisodes de rage qu'on va appeler des épisodes explosifs. On a une chercheuse, Julie Leclerc, qui est spécialiste à notre clinique sur ces, avec ce type d'enfant-là. Il y a aussi, je parlais tantôt du trouble obsessif-compulsif, il y a des troubles affectifs aussi qui vont naître de ça, entre 30 à 60 %. Des troubles du sommeil aussi, entre 20 et 50 %, et des troubles anxieux, phobie, panique, donc autre que le TOC, là, 10 à 28 %. Donc, on peut voir que c'est un peu comme un millefeuille parfois. Et le défi diagnostique, c'est souvent de voir qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qu'on va traiter quand il y a plusieurs choses qui se présentent en même temps. Mais on va revenir encore à la définition du tic. C'est une production involontaire d'un mouvement ou d'un son. J'ai marqué entre parenthèses semi-involontaire parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des gens, surtout chez les adultes, qui vont être capables de le contrôler. Ils vont être capables de le contrôler dans des situations sociales, par exemple, mais qui vont ensuite générer leur tic lorsqu'ils sont seuls ou dans un autre environnement. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué semi-involontaire. Généralement, cette production va être soudaine et brutale. Elle n'est pas rythmée, c'est pas toujours le même rythme. Elle peut être répétitive, mais ce n'est pas obligé non plus. Elle survient de façon sporadique et inopinée. Il y a des tics moteurs et il y a des tics phoniques, on va appeler. Donc, pour les tics moteurs, il y a au niveau facial, des tics faciaux. Donc là, on va parler de la crispation des muscles, le clignement des yeux, mouvement brusque de la tête. Il y a une longue liste, là, mais je vais selon les principaux. Ça peut toucher les membres inférieurs, déplacement des membres inférieurs de façon répétitive, le torse aussi, tension, mouvement giratoire, impliquant les pieds, les bras, le tronc, donc tout ça. Il y a les tics vocaux. Donc, les tics vocaux peuvent débuter vers l'âge de 3 ans, mais ça, c'est plutôt rare. Toutefois, ils suivent l'apparition des tics moteurs par plusieurs années. Donc, il va y avoir apparition de tics moteurs et normalement, les tics vocaux ou phoniques vont apparaître quelques années plus tard. Ça peut prendre la forme de renifler, ronfler, racler, grogner, murmurer, tousser, aboyer. Encore là, il y a une longue liste de tics vocaux, crier. Il y a des vocalisations complexes, c'est un peu plus rare. Il y a l'écolalie, la répétition interminable de sons qui sont captés dans l'environnement. La palylalie, qui est la répétition de ses propres énoncés, de phrases ou de mots en position finale. Donc, c'est le dernier ou c'est une répétition du suffixe d'un mot qu'on va répéter. Et enfin, celui qui est le plus connu peut-être dans la population, c'est la coprolalie. Chez environ, on parle de 10 à 15 %, mais c'est plus proche du 10 %. C'est beaucoup plus rare de voir de la coprolalie. C'est des gens qui vont proférer des jurons et des insanités, mais sans rapport à la situation dans laquelle ils vont être. Il y a aussi des tics mentaux. Qu'on commence un peu plus à étudier, c'est par exemple rejouer mentalement des airs musicaux en boucle. Attention, ce n'est pas des vers d'oreille, par contre, c'est des chansons en boucle qu'on va se rejouer. Compter mentalement sans raison, il y a des pensées intrusives. Et là, le grand défi,
pour les cliniciens, c'est d'essayer de faire la part des choses entre c'est quoi un tic mental et un trouble obsessif compulsif. Donc là, ça, c'est un peu le cœur de la recherche en ce moment. Là, on essaie de trouver qu'est-ce qui appartient à un, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Il y a aussi un secteur de recherche qui, depuis une dizaine d'années, là, prend plus de place, c'est ce qu'on appelle les bouffées prémonitoires. C'est que avant la génération d'un tic, il y a beaucoup de patients qui vont nous dire « ça s'en vient, j'ai quelque chose, là, j'ai une bouffée de tic qui s'en vient ». Ils sont capables d'identifier aussi les parties du corps où est-ce qu'ils vont ressentir cette bouffée prémonitoire-là, où est-ce que le musticaire va bouger. Donc, on va identifier là, avec un test comme ça, le test du bonhomme là, qu'on appelle, où on va demander à la personne de nous identifier c'est quel est l'endroit sur le corps où il va ressentir ces bouffées prémonitoires-là. C'est un peu, j'ai mis un énoncé en bas qui reflète un peu ce que les gens nous disent, c'est que si je ne peux pas physiquement tiquer, toutes mes pensées sont orientées vers ce tic jusqu'à ce que je puisse y laisser libre cours. C'est un peu comme une chaudière d'eau qui se remplit, se remplit, se remplit. À un moment donné, il faut que le trop-plein finisse par sortir. Et il va y avoir des bouffées prémonitoires, une montée de tension qui va se faire. Et là, la thérapie, on va en parler un petit peu plus loin, mais la thérapie travaille à ce niveau-là aussi. Une chose qui est assez intéressante pour la clinique, à mon avis, c'est que l'occurrence des tics va suivre un certain pattern. Et on a utilisé ce qu'on appelle la théorie fractale. C'est une théorie mathématique où les gens vont... je ne sais pas si vous avez déjà vu une figure fractale, mais vous avez une grande figure, un peu comme un escargot. Et si vous zoomez sur une partie de cette figure-là, vous allez avoir la reproduction de cette figure-là, mais en plus petit jusqu'à l'infini. Alors, on s'est dit, avec le même type de calcul, est-ce qu'on est capable de retrouver un certain pattern dans les tics, dans le syndrome de Gilles de la Tourette? Et là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, en bas, vous avez une échelle de temps en mois où vous avez ici, chaque ligne représente des bouffées de tics. Et si vous zoomez sur vous rapportez ça en échelle de semaine, vous allez avoir le même pattern de bouffées de tics sur les semaines. Ensuite, les jours, les heures, les secondes. Et ça permet ça... D'avoir une espèce de pattern que chaque personne a son pattern à lui. Ça permet de prédire après ça quand ça va se produire, avec quelle fréquence. Et mieux que ça, après ça, il faut mettre ça en contexte. C'est-à-dire, c'est par rapport à quel contexte, c'est dans quel contexte ces bouffées-là vont survenir. Donc, ça permet un peu d'objectiver un peu ces bouffées de tics-là. Il y a d'autres caractéristiques psychologiques utiles qui ne sont pas dans les critères DSM, mais quand même qu'on voit beaucoup en recherche. C'est que lorsque le patient se concentre intensément sur une tâche, les tics cessent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit et qui se généralise beaucoup. Donc, on voit, par exemple, dans une de nos recherches, on s'est rendu compte que les temps de réaction sont plus rapides chez les patients qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Ils sont plus précis aussi. Donc, ils vont arrêter de tiquer, et quand ils vont arrêter de tiquer, ils vont être plus rapides, plus précis. Et on était capable de coupler ça à une augmentation de l'activité cérébrale dans les zones du cerveau qui contrôlent le mouvement des mains, par exemple, pour donner une réponse. Donc, on a été capable de voir qu'au niveau au niveau cérébral, ils vont aussi activer plus à ce niveau-là. On sait aussi que le stress et l'anxiété et l'appréhension peuvent augmenter la fréquence des tics. Donc, c'est à l'inverse, il va y avoir une augmentation des tics à ce moment-là. Et il y a un autre pattern qui est assez stable dans nos recherches et dans beaucoup d'autres recherches aussi,
c'est qu'il semble y avoir un problème de dextérité fine chez les gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, ce qu'on voit, c'est que la performance motrice aussi à l'enfance, chez les enfants qui ont ce syndrome-là, ça permet de prédire la sévérité des tics à l'âge adulte. Donc, c'est une mesure qui semble relativement solide et ça peut même aussi prédire le niveau d'adaptation psychosociale à l'âge adulte aussi. Ce qu'on a vu, nous aussi, on a observé un peu la même chose, ces problèmes de dextérité fine, mais on a vu que ça se normalise après la thérapie. Donc, suite à une thérapie cognitivo-comportementale, les gens avaient une meilleure dextérité manuelle fine. On va passer rapidement sur les causes. Quelles sont les causes avec ce qu'on sait aujourd'hui? Il y a une première qui serait génétique, neuro ou immuno. Je vais vous en parler, une théorie immunologique. Au niveau de la génétique, une personne, on sait ça depuis le 19e siècle, là, qu'une personne avec le Tourette a 50 % de chances de passer la maladie à ses enfants. Si les deux parents sont atteints du Tourette, ça passe autour de 90-95%. C'est presque une certitude. Un certain nombre de gènes seraient impliqués dans l'expression du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, c'est une explication polygénique, mais je vous le dis tout de suite, je me souviens qu'en 2008, j'étais allé à un congrès international sur le syndrome de Tourette, c'était en Italie, et puis il y avait un chercheur qui est venu présenter, puis moi j'étais allé à sa présentation en me disant « Enfin, ils vont pouvoir me donner le fin mot de l'histoire ». Et ça faisait 25 ans qu'il travaillait sur la génétique du syndrome de Gilles de la Tourette. Et il dit « Je dois être humble avec vous, ça fait 25 ans que j'ai trouvé zéro gène qui code pour le syndrome de Gilles de la Tourette ». Donc, c'est un peu désespérant. Il y a quand même des bonnes pistes, mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'il n'y a pas un gène. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher un seul gène, mais c'est vraiment un paquet de gènes, c'est vraiment polygénique. Il y a quand même un gène candidat, celui qui était peut-être le plus populaire, il s'appelait SLIT-RK1. Ça a été publié ça dans Science et ça a fait beaucoup de bruit. On n'a pas été capable de répliquer ces résultats-là. Mais ceux qui s'intéressent à ça un peu, vous pouvez aller voir l'adresse complète, c'est sur le chromosome 13, site 31.3. J'ai mis une flèche ici sur le gène en tant que tel. C'est un gène qui code pour une protéine qui permet un développement qui va promouvoir le développement du neurone. Donc, ça va coder surtout pour ce qu'on va appeler un facteur neurotrophique. Donc, vous voyez que c'est indirect par rapport au syndrome de Gilles de la Tourette. Ça pourrait être vrai pour la schizophrénie, ça pourrait être vrai pour le trouble obsessif compulsif, pour l'anxiété, pour plein d'autres problèmes aussi. Il y a aussi un gène qu'on appelle D2, ça c'est pour la dopamine. C'est peut-être ce qui est de plus proche au syndrome de Gilles de la Tourette, parce qu'on sait qu'au niveau dopaminergique, donc la dopamine, ça va réguler beaucoup les activités motrices. Mais encore là, on n'a pas été capable de le répliquer suffisamment. Donc, encore là, on a des pistes, il y a des gens qui travaillent très fort sur ça, mais on n'y est pas encore arrivé. On a été capable d'identifier, par contre, des circuits anatomiques dans le cerveau qui pourraient être atteints dans le syndrome. On voit ici, c'est une photo derrière et sur le côté là, du cerveau. Vous avez en avant le cortex, ce qu'on appelle le cortex frontal. On a découpé ici le cerveau et on voit apparaître en dessous ce qu'on appelle les ganglions de la base. Et juste en dessous, le cervelet. Donc, les ganglions de la base seraient responsables un peu comme
une série de mécanismes ou de portes qui permettent de réguler l'activité motrice. Donc, s'il y a une toute petite zone dans les ganglions de la base qui sont dysfonctionnels, ça va emmener toute une chaîne d'événements qui va faire en sorte que tout le système va être atteint. Parce qu'on sait que les ganglions de la base ont des connexions, par exemple, avec le cortex frontal. Le cortex frontal, lui, il doit faire une job d'inhiber les comportements ou les influx qui viennent des zones plus profondes du cerveau. Et ce qu'on croit, c'est que la boucle ici du cerveau frontal au ganglion de la base serait perturbée dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, on était capable de voir qu'il y avait certaines corrélations avec la sévérité des tics. On a même été voir ce qui se passait lorsque on a quelqu'un qui génère des tics pendant qu'on lui fait un scan cérébral. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certaines corrélations. Les vertes ici, c'est ce qu'on appelle des corrélations positives. Donc, chez les gens qui étaient plus atteints, qui avaient plus de tics, ils devaient aussi faire fonctionner plus leur cortex frontal pour inhiber. Alors que les zones des ganglions de la base, elles avaient des corrélations négatives. Donc, en général, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en général, ces zones-là, qu'on appelle noyau codé, putamen et globus pallidus, mais surtout le globus pallidus, ces zones-là sous-fonctionnaient, si on veut, alors que ceux du cortex frontal, surtout l'aire motrice supplémentaire, étaient sous-fonctionnaient. Il y a un autre problème, mais ça, c'est dans une sous-population de Tourette. C'est un problème qu'on va appeler le PANDAS. Donc, c'est une attaque immunologique ou auto-immunitaire. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une bataille immunitaire qui va être déclenchée par une infection. Cette infection-là va s'attaquer justement aux zones des ganglions de la base que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et il va y avoir des anticorps qui vont être envoyés pour combattre cette infection-là et ils vont endommager ces zones des ganglions de la base-là. Ça, c'est un peu une sous-catégorie dans le syndrome de Gilles de la Tourette parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants, par exemple, qui développaient ce syndrome-là subitement et suite à une infection. Et on a commencé à faire un lien entre les deux. Mais c'est encore assez controversé. À chaque fois que je vais dans un congrès où il y a un chercheur qui présente le PANDAS pour le syndrome de Gilles de la Tourette, les gens ne sont pas encore tout à fait à l'aise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça, c'est responsable du syndrome de Gilles de la Tourette, mais c'est responsable d'une sous-population du syndrome qui pourrait avoir eu ce type d'atteinte-là. On va sauter tout de suite au traitement courant. Donc, les traitements, normalement, qui sont utilisés en ce moment. Après ça, on pourra voir les traitements qui seront peut-être utilisés dans 10 ou 15 ans. Les médications pour traiter les tics chroniques, on a en haut, le plus utilisé en ce moment, c'est la clonidine. La clonidine, c'est un antihypertenseur. Et ça va jouer beaucoup sur la dopamine et sur l'adrénaline aussi. On voit qu'il y a une diminution des tics autour de 50 %. Il y a l'aldol qui est à peu près, je dirais, le plus efficace probablement encore comme en 1961, mais c'est entre 70 et 90 % du nombre de tics va diminuer, mais comme on le sait, l'aldol va amener énormément de problèmes d'effets secondaires, surtout à long terme. À long terme, quelqu'un qui prend ça pendant 10-15 ans va se retrouver avec des problèmes moteurs très importants. Le pimosine aussi, qui va jouer aussi sur la dopamine, le risperdal aussi, qui
On a vu qu'il y avait, il y a eu des essais cliniques qui ont été faits avec ça, qui ont donné des bons résultats. Et il y a aussi des antidépresseurs qui peuvent être utilisés, mais avec moins d'efficacité quand même. On voit le Ritalin en bas comme stimulant qui va être administré surtout pour les enfants qui ont à la fois le syndrome de Gilles-de-la-Tourette et un problème d'hyperactivité aussi avec ça. Mais on s'est rendu compte que le Ritalin, quand même, permet une diminution des tics. Bon, je sais, vous n'avez pas peut-être entendu parler que le Ritalin, dans les années 70, là, il y a eu une interdiction parce que on s'est rendu compte que les enfants qui prenaient du Ritalin avaient une augmentation des tics et même que des enfants qui n'avaient pas de tics commençaient à prendre du Ritalin, hop, ils commençaient à avoir des tics. Mais on s'est rendu compte que même si les enfants n'auraient pas pris du Ritalin, ils auraient quand même développé des tics. Donc, on a réintroduit le Ritalin quand même avec une précaution en disant oui, les enfants qui ont le syndrome peuvent prendre du Ritalin, mais il faut quand même surveiller l'augmentation des tics. Donc, vous avez ça, c'est la principale liste de pharmacopée. Il y a peut-être la guanfacine aussi qui pourrait apparaître avec la clonidine, là, qui fait un peu le même travail, mais semblerait-il avec moins d'effets secondaires. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ça, il y a le Canadian Guidelines for Evidence-Based Treatment for Tourette Syndrome. Ça a été publié cette année par Tamara Pringsheim de l'Alberta. J'ai mis le lien en bas, vous pourrez aller voir. Ils font un tour d'horizon de tout ce qui existe comme traitement actuellement, cognitivo-comportemental, pharmacologique, et puis ils font le tour de tout ça. Puis j'ai mis en bas la référence dans le Canadian Journal of Psychiatry, publié en 2012. Bon, on va arriver à la psychothérapie. Donc maintenant, on sait que ce n'est pas seulement la médication qui doit être utilisée. On doit utiliser aussi avec la médication, si possible, si disponible, la psychothérapie. Si on parle de la psychanalyse, ça a été abandonné à partir de la découverte de l'aldol. Donc, ça ne donnait pas de résultat ou presque aucun résultat. Donc, on s'est dit, dans les années 70, il y a des gens qui ont commencé à développer une approche cognitivo-comportementale pour l'éthique au début des années 70. C'est Ezrin et Peterson en 73 qui travaillaient sur le renversement des habitudes. Donc, c'était plus comportemental que cognitif. Et un autre qui est Piacentini, beaucoup plus récemment, en 2010, qui intégrait le modèle de renversement des habitudes, mais avec toute une restructuration cognitive et comportementale. C'est une étude quand même très sérieuse qui a permis de réintroduire la psychothérapie comme traitement efficace au niveau du syndrome de Gilles-de-la-Tourette. Donc, c'est un coffre d'outils, si on veut, additionnel qui s'ajoute. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est que dans l'échantillon, c'est qu'il y avait une diminution de 87% des symptômes. Et ça, c'était durable même après 6 mois. Donc, à la différence parfois des médicaments, lorsqu'ils sont retirés, les symptômes reviennent. Alors que dans la thérapie cognitivo-comportementale, il peut y avoir un bon maintien des acquis ici. Il y a aussi mon collègue Kieran O'Connor qui est ici, qui a travaillé beaucoup sur ces modèles-là, mais en ajoutant aussi des mesures physiologiques aussi dans le traitement. Et ce qu'on voit, en moyenne, c'est à peu près un peu la même chose, diminution d'environ 87% des symptômes. Ça varie de une diminution d'éthique entre 75 et jusqu'à 100%. Et chez 65% des patients, il y avait une diminution de 52% des tics qui se maintenaient après 2 ans. Donc, il y a aussi un maintien plus loin que 6 mois encore.
diminution de l'anxiété ici dans ces études-là. Donc, on touche au syndrome comme tel, au TIC, mais un peu par la bande, on réussit à diminuer l'anxiété. Donc, les scores d'anxiété diminuent. La dépression aussi. Il y a souvent des scores de dépression beaucoup plus élevés chez les gens avec les TIC. Ça, c'est chez les adultes ici, là. Amélioration aussi de la dextérité fine, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et on a aussi des recherches qui ont montré que la thérapie cognitivo-comportementale avait un effet sur l'activité cérébrale, avec pour effet de normaliser l'activité cérébrale. Et on a une autre étude qui a montré que par rapport aux médicaments, la thérapie cognitivo-comportementale a un effet comparable aussi. Donc, on sait maintenant que c'est relativement comparable à la médication et, en plus, on a une normalisation au niveau de l'activité cérébrale. Et ça, dans notre équipe, on a été les premiers à vraiment le démontrer, ce type de changement-là. Donc, le modèle, je vais passer rapidement ici. C'est un modèle psychologique, psychophysiologique, parce qu'on intègre la partie physiologique aussi. On a une activité normalement dirigée vers un but. Et ce qu'on observe, et ce qu'on a observé en 2005, c'est qu'il y avait une surpréparation. Les gens ont tendance à se surpréparer à une activité. Par exemple, ils vont préparer plusieurs groupes de muscles en même temps pour donner une réponse. Ce qui va faire que ça va être plus difficile d'inhiber une réponse ou de réprimer une action. On s'est rendu compte aussi que l'activité du cortex qui génère les réponses motrices, qu'on va appeler le sensorimoteur, va être beaucoup plus augmentée. Et la préparation, elle, va être inappropriée et il va y avoir plus de tension dans le muscle. Et on s'est rendu compte que le muscle du cœur, par exemple, était, avant traitement, le muscle, ça va être tout ou rien. Donc, les gens vont contracter le muscle du cœur d'une façon tout ou rien. Donc, il faut intervenir à ce niveau-là aussi. Donc, s'il y a cette préparation inappropriée, une tension dans les muscles affectés, il va y avoir déclenchement du tic. Ensuite, il va y avoir relâchement de cette tension-là et on va rentrer dans une boucle de renforcement, si on veut. Donc, ici, la thérapie va beaucoup jouer sur modifier ce type de préparation motrice-là et va viser aussi à modifier l'activation sensorimotrice. Là, je parle juste ici d'une partie du modèle, où j'ai plus travaillé et que j'ai appliqué au niveau physiologique. Mais il y a aussi toute la partie conscience aussi d'éthique. Il faut toujours commencer par cette partie-là. Il faut que les gens soient très conscients. Les gens vont amener un calepin, ils vont noter l'éthique dans le contexte dans lequel ça se passe. Donc, vous voyez, on va toucher un peu à toutes les sphères de la vie, à l'organisation, la planification, tout ça. Donc, il faut aller plus loin que l'éthique. Mais juste en ce qui concerne l'éthique, ça, c'est cette partie-là. Je vais vous montrer un exemple en pré-post-thérapie qu'on a vu dans le laboratoire de Kieran. Et vous allez voir que ce qui est frappant, et moi, sur quoi je travaille, ce qui m'intéresse beaucoup et qui me fascine, c'est que les gens qui ont des tics vont être capables, à un moment donné, d'arrêter de tiquer complètement et d'accomplir une action d'une façon très précise et très fine. Et j'ai un bon exemple à vous montrer ici. C'est un joueur de guitare classique qui venait. On était toujours très enchantés quand il venait au laboratoire, parce qu'il nous jouait toujours des beaux airs de guitare. Et donc, je vais partir tout de suite. Ah, ça va y aller. Donc, c'est un patient avec tic chronique, phonique et moteur en pré-thérapie. Donc là, il va accorder son instrument. Donc, on voit qu'il y a
des tics qui agissent sur l'ensemble du corps. Et là, du moment qu'ils commencent à jouer, il n'y a à peu près plus de tics. En fait, ils ne sont pas perceptibles, ces tics. Donc ça, c'est après, une fois qu'il a eu fini, il a enregistré sa guitare, et là, ses tics ont recommencé. Et là, il va commencer son entrevue. Et on va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'était 6 mois après. En fait, il va suivre la thérapie qui va durer environ 6 mois, et on va le revoir. Nous, on était très heureux parce que après, ces tics ont vraiment beaucoup diminué. Donc ça, c'est en post-thérapie, on va le revoir. Là, on n'a plus de son, mais ce qu'on veut voir, c'est justement cette fréquence-là. Il va rester encore des tics très, très légers, mais ça va être beaucoup moins fort. Donc, je voulais juste mentionner en même temps que les gens qui viennent à la clinique pour ces traitements-là, qui prennent des médicaments, ils continuent leur traitement comme d'habitude, en fait. Puis, ils vont suivre le traitement cognitivo-comportemental et ça va venir juste s'ajouter aux effets de la médication, mais ça va compléter un peu les effets au niveau de la médication. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Vous pouvez voir que la fréquence des tics avait vraiment diminué ici. Maintenant, on va passer aux traitements expérimentaux. Là, on a vu les traitements médicamenteux, pharmacologiques. Là, on a vu les traitements psychologiques. Maintenant, on va aller voir vers peut-être ce qui s'en vient, disons. La stimulation électrique DBS ou Deep Brain Stimulation. Je vous dis tout de suite, ça ne sera jamais un traitement pour tous les tourettes. Ça va toujours être un traitement de dernier recours lorsque la médication ne fonctionne plus et que la thérapie non plus ne fonctionne plus, ou les deux mis ensemble, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, il faut que c'est un des critères pour être admis à ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer un trou et on va aller implanter une électrode sur un des sites candidats qu'on croit qui est responsable de générer l'éthique. Donc, on va stimuler cette région affectée-là. Une des régions qui a été stimulée beaucoup chez 28 patients dans le monde. En tout, il y a, à l'heure actuelle, là, il y a une cinquantaine de patients qui ont passé par là dans le monde entier. Donc, ce n'est pas énorme non plus. On a noté ici une amélioration de 49 % des tics. Il faut savoir que c'est des gens qui sont extrêmement... ils ont beaucoup, beaucoup de tics. Donc, tu vas diminuer ces tics-là, mais ça ne va pas dire qu'ils sont plus symptomatiques. Ils sont encore symptomatiques quand même, mais ils sont moins symptomatiques qu'ils l'étaient. Et ils ont fait un follow-up, là, 3 mois à 5 ans, et il y avait un assez bon maintien, là, au niveau de la diminution. Mais un qui était peut-être plus efficace, c'est ce qu'on a appelé le globus pallidus. C'est une autre partie des ganglions de la base que je vous ai nommé tantôt. Ça, il y en a moins qui a été implanté. Il y en a 10, mais dans la revue littérature que je suis allé voir qui vient de sortir, il y en a une douzaine d'autres qui se sont ajoutés à ça. Et ce qu'on note, c'est une amélioration de 76 % des tics. Donc, une diminution, et un follow-up à 6 mois et à 5 ans ont montré qu'il y avait aussi un bon maintien à ce niveau-là. Par contre, on n'a pas de dessert randomisé contrôlé. On manque encore
de preuves solides à ce niveau-là pour vraiment justifier ces opérations psychochirurgicales. Les inconvénients, bien entendu, les hémorragies sont toujours possibles. Les infections, c'est arrivé à quelques cas aussi. Ça a suscité des problèmes d'élocution. On a accroché certaines zones responsables de l'élocution. Donc, il faut vraiment pas se tromper, là. Tu sais, on va pas se tromper ici. Il y a d'autres contractions musculaires qui peuvent apparaître, donc certains espaces, mais c'est quand même une approche qui est prometteur pour des gens qui tiquent continuellement. Et on va le voir dans le prochain exemple, dans la prochaine diapo, si lui fonctionne. Donc, c'est un patient, ça, de 16 ans qui a été opéré. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est un cas grave, c'est-à-dire qu'il va tiquer constamment, toute la journée. Donc, dans le segment 2, là, on va le voir, mais suite à son opération, lui, il a été opéré dans le globus pallidus. Donc, on voit qu'il y a encore quelques tics, un peu des yeux, quelques petits mouvements, mais il ne reste pas beaucoup de choses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'était un adolescent qui était véritablement en détresse, là, il en avait vraiment, il était plus capable. C'était extrêmement même douloureux comme tic, là. Et suite à son opération, ils se sont rendus compte qu'il y avait des troubles obsessifs-compulsifs qui sont apparus, qui ne pouvaient peut-être pas s'exprimer avant parce qu'il était trop envahi par les tics. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des problèmes de personnalité importants aussi qui se sont développés suite à ça aussi. Donc, ça n'a pas tout réglé nécessairement. Ça a réglé les tics pour lui. Donc, il peut fonctionner, là, au moins. Il peut sortir, puis il peut sortir de l'hôpital, puis faire autre chose. Mais ça. Donc, ça, c'est dans le. Ça, c'est au Texas. C'est le docteur Joseph Yankovic, là, qui est assez fameux, là, pour ses opérations neurochirurgicales ici. Il y a un autre type qui est moins invasif. On n'a pas besoin de percer. C'est la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, on commence seulement à expérimenter avec ça. Donc, ce qu'on va faire avec une espèce de coil, comme on voit ici, on va envoyer un champ magnétique très puissant, mais très, très court, qui va permettre de stimuler certaines régions du cerveau, ici, pour soit activer ou désactiver certaines portions. Donc, c'est une stimulation magnétique des régions concernées. C'est non invasif. On a observé jusqu'à date qu'il y avait une diminution des tics transitoires pendant 8 heures, mais on est en train de raffiner cette méthode-là et on est en train d'essayer d'autres méthodes de stimulation plus rapides. Donc, on va envoyer plusieurs bursts, si on veut, avec des thérapies de maintien sur plusieurs jours, même plusieurs semaines. Et on s'est rendu compte que ça durait beaucoup plus longtemps. Donc, les effets ou la diminution des tics réussit à se normaliser assez bien. Mais c'est très expérimental. Il y a beaucoup de recherches là, qui vont sortir d'ici 2 ou 3 ans sur ça, puis on va être un peu plus tiré au clair avec ça. Inconvénient pour le moment, très peu d'études sur le sujet. Donc, on attend qu'il y ait d'autres études qui sortent au niveau du syndrome de la Tourette. Maintenant, je vais juste un petit encart pour parler des facteurs de protection. Qu'est-ce qui peut protéger un peu l'expression des tics? Support de l'environnement, très important. Les amis, la famille, les parents, le support de l'environnement, c'est super capital. Il y a aussi l'hygiène du sommeil, une bonne hygiène du sommeil régulière. On a vu que ça diminuait à moyen et à long terme la fréquence des tics. La gestion du stress, l'organisation.
Beaucoup avec les enfants aussi, chez les adultes, toute cette gestion-là est très importante. Programme d'exercice physique, ça c'est quelque chose qu'on veut dans notre groupe d'études. On veut aller voir si un programme d'exercice physique pourrait pas potentialiser les effets d'une thérapie. Ça, on va investiguer ça aussi. Qu'est-ce qui permet de protéger aussi, c'est la présence de talents spéciaux. Par exemple, chez certains sportifs, chez certaines personnes aussi qui ont des talents sociaux, qui ont des facilités à se faire des amis et tout ça, musicaux, académiques. Puis je vais vous présenter quelques personnes célèbres ici. Donc, ces talents spéciaux-là, il faut vraiment les promouvoir lorsqu'on les détecte chez les jeunes, là. Il faut vraiment les encourager beaucoup. Quelques personnages célèbres. Un des plus célèbres que les gens ne connaissent pas tous, mais c'est Samuel Johnson. Lui, c'est une personne qui a beaucoup écrit et qui a écrit un dictionnaire de la langue anglaise, rien de moins, qui a été utilisé encore jusqu'en 1928. Donc, c'était un dictionnaire très, très bien. Et lui, ce qui est particulier, c'est qu'il y avait un secrétaire qui l'accompagnait et qui commentait, qui prenait des notes sur ses comportements. Et ça nous a permis de voir que vraiment, il y avait le syndrome, qu'il y avait des tics et tout ça. Mais qui était très prolifique et très, très productif toute sa vie. On croit, mais ça, c'est un peu plus douteux, mais on croit que Mozart était atteint du syndrome de la Tourette, mais c'est un peu moins bien documenté que Samuel Johnson. Il y a aussi André Malraux, qui était le ministre de la Culture dans les années 60 en France, qui étiquait beaucoup aussi. Et un autre qui est peut-être moins connu, mais la communauté des chercheurs le connaissent bien, c'est Maud Doreen. C'était un chirurgien qui était atteint du syndrome de la Tourette et qui a opéré toute sa vie avec le syndrome de la Tourette et il n'y a jamais eu une erreur ou quoi que ce soit. Mais c'est encore un peu le même pattern que ce que je vous expliquais. On l'a vu avec notre joueur de guitare, c'est que lorsqu'ils sont bien concentrés, lorsqu'ils sont focusés sur une chose, ils sont capables de bien performer. Il y en a un autre qu'un de mes collègues a attiré mon attention dessus, c'est Carlos Guevara. Ceux qui surveillent le show X Factor. Vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien YouTube, c'est vraiment bien. C'est quelqu'un qui a été diagnostiqué TOC et Tourette à l'âge de 5 ans. Il y avait surtout des tics chroniques moteurs très fréquents. Et il a participé à X Factor et il a quand même eu beaucoup de succès. Et ce qu'on voyait, et encore, c'est le même pattern, lorsqu'il commençait à chanter, lorsque vous pourrez aller voir ça, c'était vraiment frappant, ces tics disparaissaient complètement. Donc, c'est encore la même chose, bien concentré sur cette tâche-là, disparition des tics. Cette présentation-là, de toute façon, va être à un moment donné affichée sur le web et vous pourrez aller cliquer sur ça. Je vous laisse sur ça. J'ai mis la liste des sites web, des ressources que vous pouvez consulter. Il y a le site web de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Il y a le Tourette Syndrome Foundation of Canada aussi, et aux États-Unis, le Tourette Syndrome Association. Et pour les protocoles de recherche expérimentaux, ça c'est nous, le tic-tac-toc.org. Vous pouvez, si vous connaissez des gens qui sont atteints de syndrome, qui veulent participer à nos protocoles de recherche, vous êtes bienvenus. Donc, pour récapituler, le syndrome, il est prévalent. Plus prévalent qu'on croyait, ce n'est plus une maladie rare. Il y a une multiple étiologie, donc il y a plusieurs causes qui sont impliquées dans ça. C'est une maladie complexe et variable. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une maladie qui est assez complexe. Les traitements pharmacologiques sont efficaces ou relativement efficaces, et les psychothérapies aussi. Donc, et en conjonction,
on réussit à atteindre des résultats assez intéressants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On est capable aujourd'hui de bien travailler pour réussir à diminuer l'éthique. Vous pouvez consulter aussi, ça c'est des travaux scientifiques qui, c'est un peu la synthèse de tous nos travaux depuis 14-15 ans, là, je vous dirais, qui parlent de tout notre modèle. Donc ceux qui veulent aller lire plus précisément qu'est-ce qu'on fait au niveau scientifique. Et il y a aussi notre groupe qui a publié des livres, il y a au moins 3 livres sur le Tourette, donc Cognitive Behavioral Management of Tic Disorders. Et aussi Julie Leclerc avec Kieran qui a publié Quand le corps fait à sa tête. Et aussi un autre qui est Tic et problèmes de tension musculaire, qui ça c'est vraiment le livre là, qu'on utilise avec nos clients, avec les personnes qui sont atteintes. Pour développer un peu la thérapie. Alors, on vous remercie tous et toutes d'avoir été présents ce soir. Et grand merci à Marc Lavoie et à son équipe. Merci beaucoup. Merci.